Nailed a point zero game. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour nos aventures de Subnautica. Alors aujourd'hui, normalement, j'ai prévu de construire le Pawan. Alors, je sais pas si ça se prononce comme ça, je dois tout avoir. On va vérifier tout de suite le Pawan. Je ne sais. Non, le Prawan, Pawan. Bon, bref, le robot. Il y a tout, impeccable. Alors, on va aller normalement à la baie. Hop. J'espère qu'il va pouvoir me le faire descendre ici. Donc je peux en construire un qui me dit. Ah non, je peux construire ceci. Non mais. Ah oui, d'accord. D'accord, il me faut la plateforme. Nanana nanana. Ok. Ah, je peux construire ceci. Ah, ils sont attaqués par des. D'accord, là-haut ça. Bon, allez, trêve de plaisanterie. La première semaine, plusieurs semaines, il vous faudra pas de discipline au bas. Hop! Alors, comment tu marches? Donc déjà, on va regarder un peu à quoi il ressemble. Ouais. C'est pas mal. Il tourne avec deux batteries, des batteries haute capacité, c'est ça. Voilà. D'énergie 200, ok. Ok, ici. Il y a un stock, ok. Bon, bah allez, hein. Alors. Ok, on peut se droite, gauche. Bon, là, on risque plus rien dedans, de toute façon. Hop, on peut marcher. Donc, bouton de droite, main droite, bouton 1. Allez, des temps de rechargement. Ok. Et. Ah, il s'est fait agresser par le gaz, lui, là-haut. Oh, il y a des morts, hein. Voilà, attendez, voir un peu. Et je peux pas l'attraper. Et lui. Ah, ils se sont fait massacrer quand même. Hein. Non, je peux pas l'attraper. Bon. Hop. Et on peut sauter, on peut voler un tout petit peu. Alors, normalement, le Pawan, le Prawan, je sais pas, peut aller dans le. Dans le Cyclope. D'ailleurs, où est le Cyclope? Touc, je ne sais pas du tout où il est. Ah, il est par là. Donc on peut prendre le. Soit le. Comment? Le Simote, soit le Pawan dans le. Dans le Cyclope, donc ce qui est quand même intéressant. Ah, il est bloqué par des champignons, faut le faire quand même. Hein. Oh là là. Ok. Pour l'instant, on va le garder par ici. Et on peut aller à 900 mètres avec celui-ci. Ah, quand même. Hein. Voyons voir un peu si on peut aller dans la baie ici. Ah ouais. D'accord, donc on peut le mettre aussi dans. Donc ça c'est la. Quoi? Il veut que je scanne quoi? Il voulait que je scanne un truc, je sais pas quoi. Ah oui, peut-être une bestiole qui est passée. Donc là on peut aller dans la baie, normalement là. Voyons un peu ce qu'on peut créer pour lui. Alors, module de profondeur, donc on peut aller encore plus profondément. Il nous faut des linglots de. Des linglots. Des lingots de. Plastes acier, du minerai de nickel et des rubis. Ok. Réacteur thermique pour combinaison. Recharge les batteries haute capacité dans les zones chaudes. Ah. Oui, mais il faut un produit que j'ai pas. Ok.
Là, c'est pareil, du soufre cristallin, j'ai pas. Améliore la propulsion, ok. Là, on doit pouvoir faire ceci. Ça, je dois pouvoir les faire les bras de forage pour combinaison. Et. Ok, ça, je peux faire. Ok, oui, non, j'étais là. Donc là, je peux faire des torpilles. Alors, magnétite, ça coûte cher, ça, de magnétite à trouver. Donc ça, ok. Le sonar, lui. Système consacré détecté. On peut mettre que pour le simote, je crois. Voilà. La coque renforcée, on peut le mettre aussi pour le module. Ah, donc on peut agrandir le coffre encore du Pawan, ok. Ah, bah ça aussi, ça va dessus. Et ça, je peux le faire, ça. Module de rendement moteur recycle la chaleur. Minimiser les défaillances énergétiques. Ok. Ok, donc on peut faire certaines choses pour le notre petit ami là. Bah, ce qu'il va falloir faire, c'est faire une deuxième baie pour pouvoir mettre les deux. Parce que je pense qu'en plus que les batteries doivent se recharger. Voilà, donc là le problème c'est que. Ouais, donc il est assez lent quand même. Hein. Donc il faut faire des petits à-coups comme ça pour aller plus vite, mais. On va essayer d'aller dans un endroit. Voilà, j'ai consom... Oui, il consomme vite son énergie quand même. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il fait là lui? S'approche rudement près. Viens ici, toi. Ah, il s'approche de plus en plus de ma base, quand même. Hein. Ah, j'aurais bien voulu l'avoir, quand même. Je sais pas si je peux le tuer, en fait. Bon, bref. Alors, normalement là, on peut ramasser des débris métalliques. Voilà. Par contre, il ne le met pas dans notre inventaire. Il le met dans le sien. Par contre, on ne peut pas accéder à l'inventaire de la combinaison quand on est. Ok. Donc là, on va retourner à la base. Vous voyez, donc là, je suis déjà à 95%. Ah non, il n'a pas pu l'attraper. Ok. D'accord, donc là on se présente. Hop, on saute. Voilà, il détecte qu'on arrive. Hop. Donc j'étais à 95%. Alors là, il me dit pas, je comprends pas. Hop. Donc ça, c'est la baie d'amélioration. Ah non, mais je voulais pas aller dedans. Parce que si on se met comme ça et qu'on saute. Ah ouais, non, c'est comme dans le Simote. Il nous retourne, d'accord. Ok, bon bah. Donc ce que je veux savoir maintenant, c'est si. Pourquoi c'est marqué source P0? Il y a un bug là, je pense. Il y a un petit bug. Bon, ce n'est point grave. Donc oui, voilà, il va falloir se faire une deuxième baie. Qu'on essaiera de mettre, je ne sais où d'ailleurs. Là, c'est la nourriture. Donc on pourrait essayer de venir la mettre ici. Ce serait quand même pas mal. Aïe, 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 aïe. Je voulais pas t'embêter, moi. Ou alors à côté. Là. Ouais. De toute façon, quand il me lâche, ouais. Essayer de la mettre à côté ici. Voyons voir combien est-ce qu'il nous faut pour faire ceci. Je peux faire ça, une plateforme stable parfaite pour laquelle lancer le Neptune. Oui, donc ça c'est la partie où on doit se sauver. Alors ça.
Lithium 4 diamants, c'est faisable. Lithium aérogel. Bon, l'aérogel, maintenant, on n'a plus trop de problèmes au niveau des sacs de gel, mais j'ai des problèmes au niveau des rubis. J'en en trouve pas beaucoup. Alors, générateur de bouclier. Tac, 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 tac. Donc, je disais, ça, il me faut... Ouais, ça, c'est faisable. Par contre, je sais que je n'ai plus d'huile. Donc, on va aller en chercher un peu. On va aller prendre le... On va aller en chercher pas mal. Et on va se faire de l'huile, puis on va refaire une deuxième baie d'immersion pour mettre nos deux engins, dont il y en aura un qui ira obligatoirement dans le... Comment ? Dans le cyclope, hein. Oui, j'ai pas chargé mon... Ah, ça faut que j'y pense. Allez, lui, relève. Hop ! Voilà, comme ça, ça va le calmer tout de suite, il va pas venir m'embêter. Ah bah oui, mais attends-moi. Donc là, tac, 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 tac. Donc je suis plein au niveau, non. Ah, je suis plein. On va en mettre, hop là. Non, je vais pas rentrer dedans, je vais aller dans le l'inventaire. On va en mettre, parce que je vais faire pas mal d'huile. Ah bah, on va en reprendre 4. Ouf. Voilà, et je vais voir si je vais pas pouvoir en planter, c'est ça que je voudrais savoir. Si on en plante, est-ce que j'en cueille, est-ce que ça revient? Parce que là, j'ai bien l'impression que ce que je cueille, ça ne revient pas sur ces vignes-là. Ah bah oui, mais alors, est-ce qu'il faudrait pas faire des graines avec? Attendez, bougez pas, je vais essayer le couteau. Est-ce qu'il faut pas faire des graines avec? Comme je suis plein, je sais pas ce qu'il me dit. Hop. Ouais, donc je sais pas. Hop. Donc à chaque fois, faut penser à rallumer son... Comment ? Son déflecteur, enfin sa protection là de électrique là. Tiens, toi, tu t'apprendras. Voilà. C'était juste pour me faire plaisir. Hein ? D'accord. C'était juste pour me faire plaisir, ça, que j'ai électrocuté. Hein. Alors, je sais pas si on laisse les feux allumés, que ça consomme de la... J'appelle ça les feux, comme une voiture. Comme une voiture, moi. Hein. On laisse les feux allumés, donc... Donc là, on va pouvoir se faire ceci. De toute façon, ça ne sert qu'à ça, hein. Moi, je comprends pas synthétiser plusieurs à la fois, lui dire bah vas-y, tu me fais tout ce que j'ai. Hein. Ah, bah j'en ai quand même récupéré pas mal. Hein. T'es arrêté là quand même. Bon, il m'en reste un, allez. Comme ça, on en a. Voilà. Donc on va le ranger par là, je pense. Tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Alors non, il me faut un plomb, je crois. Chambre d'immersion. Ah, il me faut deux plombs. Mince. Il me faut deux plombs. Tac. Par contre, il me faut du titane. Alors il va me falloir du titane pour faire les tuyaux, pour récupérer les raccorder. Et il va me falloir combien? Deux lingots. Ah oui, d'accord, il m'en faut. Ouais, bah, j'ai pas assez sur moi. Faut déjà chercher de l'acier. Ok. Donc ça, c'est ma capsule. Ça, c'est mon cimote. Donc il faut que j'aille chercher du métal. On va faire le tour par là. Elle m'a dit que j'avais soif, j'aurais dû l'écouter. Donc là, on va voir si il joue un petit peu avec les morceaux de métal, là, ils en ont ramené ou pas. Il
Ah oui, c'est vrai que j'ai pas allumé, hein. Faut que j'y pense. Ah là. Il n'y a pas de débris, hein. Ils ont pas ramené de débris, j'ai pu avec. Ah si. Ah, ils les ont bien ramenés là. Donc là. Pour les éloigner un peu. Il joue avec, vous voyez. Donc il les ramène ici. Bon, en santé, ça va. Donc s'il me croque, c'est pas très grave. Tac. J'ai pas, j'en avais pas vu ailleurs. Voilà. Hop. Ça m'en fait déjà pas mal là quand même. Ça, je peux scanner, mais j'ai déjà scanné plusieurs fois. Bon, je sais pas. Un peu de sel, bon, pourquoi pas, mais. Il n'y en a pas d'autres. Hop, 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 me cours pas après. Il n'y a pas de dents là? Oh, oh là. C'est bizarre qu'il n'y a pas de dents là, on trouve plus de dents. Ah, je crois que s'il en a perdu une là. C'est pas évident de les voir. Hein. Je sais pas si j'aurais besoin de refaire du verre émaillé. Est-ce que je peux encore le prendre? Ouais. Bon alors. Voilà, comme ça, par prévoyance, ça l'a fait. Celui qui était autour s'en est pris un petit coup. Par contre, ouais, j'arrive pas à retrouver des. Aïe! Qu'est-ce que c'est que je viens de taper là? Ah, bah, c'est un poisson. J'arrive pas à retrouver dedans, comme je disais. Je sais pas du tout. Est-ce qu'il faut aller plus profondément pour trouver les dents? Ça n'est pas là? Non. Aïe. Oui, j'ai soif. J'ai pas à boire sur moi. Comme d'habitude, non. Hein. Bah oui, ce serait trop facile. Hein. Bon, ça va, je suis pas très très loin de la base. La prochaine fois, j'essaierai de prendre tout ce qu'il faut. Hop, 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 hop. Donc on va se présenter ici. Donc normalement j'ai prévu ça à l'entrée. S'il doit y avoir de l'eau, c'est à l'entrée. Voilà, donc là j'ai de l'eau en plus à 50. Tac. Tac, j'ai faim aussi, d'accord. Donc ça, c'est un module de profondeur que j'ai récupéré dans l'Aurora. Et ça, c'est un module d'amélioration du rendement du moteur du Cyclope. Je vais aller le mettre tout à l'heure. Je le ferai peut-être hors caméra. Enfin, hors enregistrement. C'est pas une caméra. Je n'enregistre pas mon écran avec une caméra derrière moi. Voilà, donc on va faire ça. Tac, on peut en faire un déjà. Un petit peu plus long à faire, tac. Attendez, je me déconnecte vite fait. Il m'en faut, ouais, c'est deux. C'est deux. Donc dès que j'ai la possibilité d'en faire un deuxième, voilà. Et après, je vais refaire le reste pour pouvoir faire les tuyaux de connexion, enfin les tunnels. Et comme ça, on pourra mettre à quai nos deux. J'espère que ça va pas tirer trop de puissance. J'espère que ça va pas tirer trop de puissance. Parce que comme là, j'arrive pas à monter en charge sur celui-ci. Ah, ça y est, je suis monté en charge. Comment il a fait? Bah, pourquoi il est monté en charge, là? Donc, je suis à fond, là. Je stabilise, là. Là, j'ai du mal à comprendre. Hein. Donc là pareil, et puis il montait bien en charge et puis il me fait de l'eau.
Bah là c'est impeccable, regardez. Voilà, là ça redescend parce qu'il travaille. Voyez. Ça oscille, mais comme ils sont tous les deux en charge. Ah oui, là va falloir que. Oula, attendez, bah là faut que je m'en occupe tout de suite. Faut pas que ça tombe en rade ça, parce que sinon. L'avantage, c'est que je sors ici. Bien pour ça que j'ai mis une écoutille. On va s'en faire un max, hein. Excusez-moi, je fais mes petites emplettes. Voilà. Je voudrais pas qu'il tombe en rade, mon machin là. Voilà. 99, ok. Voilà. Impeccable. On va aller voir l'autre. J'espère que j'aurai un peu le réacteur nucléaire. Ouais, 500, c'est bon. Donc, je disais qu'il me voulait, je voulais faire ceci. Et les connexions, il faut deux titanes. Combien j'en ai? Pardon. Deux, je peux faire deux tuyaux. Allez, on va aller voir où on va se mettre ça. Ah, pardon. Je pense jamais à déplacer le fabricateur. Enfin, le fabricateur, oui, c'est le machin de base, quoi. Alors, vous pouvez le mettre à côté de l'autre. Hop, et si je connecte un tuyau ici, il va se raccorder ou pas, vous croyez? Ok. Et la deuxième baie, bah, la mettre à côté de celle-là. D'accord, je peux pas, mince. Je peux la mettre ici. Mais mince, moi j'aurais bien aimé la mettre à côté. Alors ça, on va récupérer les matériaux, c'est pas grave, hein. On va essayer de la mettre de l'autre côté. Hop. Voilà, il faut que je mette un tuyau à sortir ici pour voir. Ah là là, coucou, non, non. M'agresse pas s'il te plaît, je t'ai rien fait. Faut que j'assorte des calories. Bah oui, ma minute papillon. On va mettre ça ici pour l'instant. On va essayer de mettre celle-ci à côté. Pardon, ça va pas. Faut que je me mette. Hop, 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 elle y va. J'ai vu qu'elle y allait. Peut-être pas tout à fait en face. Oula, j'ai eu un gros bug là. Est-ce qu'elle s'est connectée? Elle s'est connectée, mais elle n'est pas tout à fait en face. Ah, j'aurais voulu la mettre en face. Bon bah vous savez hein, ce qu'on va faire, puisqu'on récupère les matériaux. On va se reculer. J'espère que je vais pouvoir rentrer dedans quand même. Voilà, je se connecte. Est-ce qu'il y a assez de place pour rentrer dedans? Ou c'est juste? Là, c'est juste. Là, c'est juste, juste. On va essayer de voir avec le CIMOT. Là, c'est trop juste. À mon avis, c'est trop juste. Il va falloir que je la mette ailleurs. Ça m'embête. Là, il y a une grande fosse. Ce serait quand même pas mal pour le CIMOT. Passer par là. Donc on va se présenter. Oh, ça le fait quand même. Et là, s'il me lâche. Ah, ça le fait pour l'instant, on verra s'il la déplace. On verra. Ah, ça le fait quand même.
Ça fait comme ça, là, j'ai la baie là, hop, je traverse, j'ai l'autre baie. Donc il me met dans le même sens. Ah ouais, je suis quand même dans le même sens. Par contre, ouais, j'ai pas de baie d'amélioration à construire. Bon, c'est pas grave, si je veux améliorer, je viendrai ici. Hein. Je mettrais bien une porte quand même, un sas ici, un sas là, pour que s'il y en a une qui fuit, qu'elle noie pas l'autre, quoi. Mais ça, je le ferai en dehors de l'enregistrement. Donc là, ouais, il y a une. Le pavane armé chargé. Ah bah oui, voilà, il dit. Ah bah oui. Entièrement rechargé. Donc il recharge bien. Donc j'ai pas besoin de mettre de chargeur de batterie. Ah oui, j'avais fermé les portes là. Mince. Bon, je vais vous faire la petite série des portes. Hein. Hop, c'est au moins s'il y en a une qui est noyée. Donc j'aille manger, qui dit. Il dit que le personnage il a faim. Bah oui, tu m'étonnes. Donc on va se diriger vers la cantine. Enfin moi, ce que j'appelle la cantine. On va manger un peu de ça. Voilà, hop, on va prendre deux comme ça. Et un petit peu de melon. Ouais, mais il faudrait que j'en replante. Alors attendez, hop, on va le faire déjà manger ça. Ouais. Voilà, ça c'est bien ça. Ça lui donne 10 de nourriture, c'est très très bien. En plus, j'ai de l'eau, une petite bouteille d'eau de 50, c'est parfait. Ben, la prochaine étape, ce sera de construire les bras foreurs. Maintenant, je viens d'y aller. Les bras foreurs et une salle des scanners, parce qu'en fait, je me dis que ce serait pas mal. Et je me pose la question, est-ce que ça me donne une carte si je scanne? Donc la salle des scanners, où est-ce que je vais pouvoir la mettre? Donc là, je vais éviter d'encombrer mes sorties, je pense, par des tas de tuyaux. Je me demande si la salle des scanners, j'irai pas la mettre ici quand même. Raccorder en passant par un là, comme ça, tac, et puis la salle des scanners. Voilà, ça c'est l'entrée. La mettre là, la salle des scanners. Juste là, oui. Je sais pas si je peux la mettre. Alors attendez, j'essaie déjà de me préparer. Mais j'ai encore ce qu'il faut. Ok. Est-ce que là, je peux venir mettre ceci? Non, il veut pas. Il veut pas parce que. Non, il veut pas, là, il veut pas non plus, là. Il veut pas parce qu'en fait, là je pourrais mettre un tuyau. La salle des scanners qui irait avant la baie. Attendez voir un peu. Tac. Bon, alors on va le poser, hein, c'est pas grave. Ah non, il se raccorde pas. Je croyais qu'il se raccordait. Il ne se raccorde pas. Il faut mettre un T en fait. Bah ouais, mais tu m'arranges pas. Tu m'arranges pas. Puis là, si je mets un tuyau. Enfin, tuyau, vous m'avez compris. Il veut pas. Il faudrait que je fasse ceci, à mon avis. Attendez voir. Bougez pas. Oui. Ouais, donc il veut pas. On peut pas venir ici chercher sur ça là. Donc ma sortie que j'ai faite ici va me servir. Hop là, pardon. Va plus me servir peut-être pour mettre une salle des scanners. Tac, ça c'est. Ouais, je. Peut-être la mettre là en fait. On va voir. Voilà. La salle des scanners, la mettre ici. Parce que ça, je vais le garder. À l'intérieur de ma base en fait. Pardon. Parce que là, je vais refaire des fondations pour remettre mes plantations. Là, je vais le défaire, ça tant pis. Hein. Je replanterai. Je ferai du benzène avec. Et puis je replanterai, je laisserai des coutilles. Et voyez un peu ça, l'escalier, qu'est-ce qu'il me faut? Ah bah c'est faisable. On va peut-être pouvoir la faire ensemble. On va aller vérifier quand même qu'on n'est pas en perte d'énergie hein, avec la deuxième baie. J'ai pas regardé ça. Non, j'ai l'air de le maintenir.
Est-ce qu'il est en charge, lui? Non, attendez. Il est en charge. Hop, pardon. Ah oui, c'est celui qui est... Ah oui, non, il veut pas me le donner parce que j'ai ça à la main. Ouais, 500, c'est bon. Donc, ouais, là, je consomme... il arrive pas à remonter, d'accord. Ah, il bosse, d'accord. Tac, là, il est pas tout à fait en charge, ok. Donc là, j'ai un sel, tac. 139, 140. J'espère que ça va aller. Avec la salle des scanners. Donc on va faire la salle des scanners pour finir la vidéo parce que là on est au bout des 30 minutes. Donc j'ai bien vu, il me faut 5 titanes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On va vérifier quand même. 5 titanes. 2 cuivres, 2 or. Ah bah attendez, je crois que j'avais préparé pour le faire ici. Ça j'avais pris, je prends. D'accord. Là. Ah bah j'avais mis ça de côté pour justement les... Ok, non là il n'y a pas. Ça c'est les piles. Ok. Donc il me faut encore 2 or, un titane, j'ai bien vu. Donc 2 or. Tac, tac. Non, c'est 2 cuivres, 1 or, 1 titane, ok. Donc j'espère que j'ai 2 cuivres hein, qui traînent quelque part. Non, ça c'est de l'or, de l'argent, du titane. Ça c'est du cuivre, voilà. Et il me refaut un titane. Et je dois pouvoir faire la salle des scanners que nous allons aller faire en passant par ici. On appuie sur 5, hop, pardon, 5 j'ai dit. Salle des scanners, hop, il veut pas la mettre. D'accord, il veut pas la mettre parce qu'il y a quelque chose. Et puis comme on voit rien, comme il fait nuit et que je n'ai pas mis d'éclairage autour de ma base, je ne vois rien. Alors, j'espère qu'il va la raccorder. Et non, il ne l'a pas raccordé. Alors, en mettant un tuyau, est-ce qu'il va la raccorder? Et comme je n'ai plus de matériel sur moi, évidemment, il faut au moins... Il m'en fallait que deux, mais c'est pas grave. Hop là, c'est par là que ça se passe. Alors, retrouvons la salle des scanners. Elle est là. Tac, alors... Non, bon. D'accord, c'est parce qu'elle n'est pas en face du tout. D'accord. L'entrée est ici. Il faudrait que je passe ici. Ça va pas du tout. Bon. On verra ça dans la prochaine vidéo. Je vais la remettre correctement. Je vais la retourner, je vais la défaire, je vais la remettre correctement. Et puis on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour voir comment fonctionne la salle des scanners. Entre temps, j'irai reposer la batterie d'amélioration du moteur du Cyclope. Et puis, on ira essayer de créer les bras foreurs pour aller forer un maximum de ressources. Et on ira farmer ça avec le Cyclope et le Pawan. Allez, merci de m'avoir suivi. Ciao, bye bye.